Coucou vous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec Stéphane. Coucou. Donc qui fait partie de la chaîne Alex et Steph à l'apéro et qui est accessoirement mon mari. Accessoirement. Voilà. Donc aujourd'hui on va réaliser le challenge What's in my Max parce que vous avez été nombreux en fait lorsque j'ai débuté ma chaîne secondaire à me demander cette vidéo. Donc j'ai décidé de la réaliser avec Stéphane. Voilà, donc on va vous montrer tout ça. On va manger des trucs bizarres. Donc j'ai choisi le foulard de la mort pour cacher ses yeux. Un jour le millimètre. Voilà, et puis on va commencer. On commence avec ça. Voilà. Donc on commence. C'est du pâté de campagne. Pâté de canard, tout comme pâté ça. De foie. Mousse pâté de foie. Pâté de foie, ouais, voilà. Alors... Attends deux secondes. Bon allez, ça je vais faire le salé d'abord. Tu regardes pas. Non, je regarde pas. Alors, on va dire continue. Mais t'as commencé avec un truc qui est super fort en goût, en fait, du coup, qui me laisse un vieil meilleur regard. Alors, dans la ensuite, c'est ça. Alors, j'ai jamais goûté, je sais pas ce que c'est. Quoi, je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà, sinon, je vous dirai la suite. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. J'ai très peur. Hop. Donc, c'est pas très appétissant comme truc. Sympa. J'ai encore plus. Je sais même pas comment faire. Voilà. Alors, voilà, donc ça se présente comme ça. Je vais couper un petit bout. J'ai très voilà, peur. C'est comme ça. Je sens que j'ai été trop gentil, moi, en fait. Oh, ça va. Je pense que tu vas bien aimer quand même. Oh. C'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, mais tu m'en as mis beaucoup. Ça aurait pu m'en mettre moins. C'est du fromage. C'est du fromage, alors c'est du camembert. Tu veux dire du camembert? Non, de la boulette d'Avesnes. D'Avesnes. Non, voilà. Mais c'est bon. Donc c'est du fromage avec du paprika. Ouais, mais c'est super bon. Voilà. Bon. Mais par contre, c'est pareil, c'est encore super bon. Essaye de mettre moins de morceaux dans la bouche parce que là. Alors, après, c'est un si peu. Tu pouvais mettre des plus petits morceaux, ça serait. Bon, après, je te donne une petite cuillère de toute façon parce que c'est un peu plus. Un peu plus gore. Aïe, aïe, aïe. Je vous montre d'abord. Tadam, la classe. C'est parti. Oh mon dieu. J'ai très très peur. Ça a l'air bon. T'es prêt? Ah, c'est dégueulasse. C'est des flageolets ou un truc comme ça. C'est ça, alors, ensuite, c'est ça. Voilà. C'est liquide, il va falloir bien de ça. Attends, j'ai pas encore versé. Non, mais je vais te mettre dans une cuillère, je vais pas te faire voir la tête. Ah, j'ai un mélange de pâté de foie, de fromage et puis de. Ça sent bon. Tu devrais. On va sentir bon de la bouche après. Voilà. C'est parti. Pardon. Ah, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Je pensais que t'aimerais bien. C'est du vinaigre de vin rouge à l'échalote et à l'oignon. Ah ouais, mais enfin ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'à manger tout seul comme ça, mais c'est vachement gras pour du vinaigre. Bah ouais. De la vinaigrette. Ouais. Ah, c'est de la vinaigrette, d'accord. Voilà. Parce que j'allais dire, si c'est que du vinaigre, il y a vachement de gras quand même. Ah non, il y a encore un truc. Alors ça... C'est encore du salé, voilà ce que c'est. Voilà. Bon. Attention. Je dois avoir mal au ventre après tout ça. Oh putain. Pardon. Ça sent pas bon. N'usons pas de trop ce truc. Non. Bon, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que tu vas me dire. Ça va, c'est en fait de la soupe à l'oignon mais à mettre dans de l'eau. Ah ouais, mais tu fais des trucs qui sont pas vraiment comestibles, t'es pas cool. Bah c'est comestible. Hein. Ouais, c'est comestible, mais à la base, c'est pas fait pour être mangé comme ça. Voilà, bon, on passe au salé. Alors, on était pas sur le salé là. Pardon, on passe au sucré. Mais une petite transition. Allez, ça je ne sais pas trop. Attends, parce que là... Sucré, salé. C'est un truc que t'aimes pas. Je sais déjà. C'est un truc que j'aime pas déjà, c'est cool. Bon, je te mets un petit bout. Et ça va passer le goût du reste. C'est du pain d'épices. Ah bah je croyais que t'aimais pas. Tu vois.
ça me change le goût, effectivement, c'est pas ça. Ça fait du bien en fait. Bon. Ben, en fait, je vous avais même pas montré avant ce que c'était. Ouais. ensuite, c'est trop fort pour deviner les goûts. C'est pas juste. Ensuite, ça, je sais même pas quel goût ça a. Je vous montre d'abord ce coup-ci. C'est ça. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai jamais goûté. Ah, ça sent bon. Ça va peut-être être bon alors. Parce que c'est la cuillère du pâté. Non. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Par contre, c'est quoi? C'est du. Attends, je vais trouver. Non, tu trouveras jamais. C'est on dirait une sorte de lait concentré, une confiture. Ah ouais, tu trouves de... Le caramel, alors c'est dans le genre. C'est lait concentré au de caramel. De la confiture de lait. Ah ouais, ouais. Oh, t'es trop fort, mais moi je vais rien trop faire. C'est ça, voilà. On l'avait vu une fois dans un magasin, on s'est dit que ça devait pas être... Enfin, que ça devait être bizarre. Bon bah ça fait l'occasion de goûter. Ça ressemble à ça. C'est pas l'air mauvais. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon, après c'est très sucré. Ça a le goût de noix de coco un peu. De noix de coco? Ouais, je sais pas. Ouais. C'est tellement sucré que... du mal, mais ça a surtout le goût de sucre. C'est du Nesquik et tartine. Ah ouais, ouais, ça a le goût de sucre en fait. Oh, je ça a presque pas le goût de chocolat au final. Bon, la suite c'est ça. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Mmh, ça a l'air très bon pour moi qui aime pas si bon. Voilà. Ah, et gros, ah, c'est une date. Ouais, par exemple, on a rangé, je le sens. Moi, tu m'aurais dit ça, j'aurais jamais su ce que c'était. T'aurais dû couper un bout. C'est trop. Ah, puis il y a un noyau là-dedans. Pas une dent. J'en ai jamais mangé. Moi non plus. Le dernier, ce sera ça. Voilà. Encore un truc qui a beaucoup. Mais c'est bon, c'est tes dates. Mmh. Je vous rentre deux baskets. C'est parti. Il faut que tu me croques, je crois. Un bonbon. Ça pique un petit peu, mais c'est pas... Je suis déçue. C'était marqué pourtant dynamite hyper acide. C'est un bonbon, ça ressemble un peu à... aux frites, mais un peu plus acidulé quoi. Ouais, c'est des têtes pour les dynamites ouais. Hyper acides. Voilà, c'est pas très violent. Bon, bon. Ça pue un peu le pâté, les flageolets et tout dans la pièce. Ah, ça fait mal. Bon. Bon, on va inverser les rôles là. Alors c'était bon. J'aime bien, on dirait qu'on a mangé un petit peu une... Ouais. Je sais pas, on a fait un pique-nique, c'est ça. Spécial. D'ailleurs, quand je suis passée à la caisse, elle a dû se dire... Ouais, bah ça a dû faire la même pour moi. Bon, on échange. On échange. Je vais chercher mes trucs. Bon, allez, c'est mon tour. J'ai peur. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par un truc assez simple en fait. Mais c'est histoire de se mettre en... de commencer quoi, on va voir ce que ça donne. On va voir déjà si elle arrive à retrouver ce que c'est. Là je pense que c'est facile, honnêtement c'est facile. C'est bon? Ah. Une amande. Ouais, bien joué. Un con. Alors ça, je sais pas vraiment ce que c'est. Alors je vous montre quand même. J'espère qu'on le voit bien. Alors je vais t'en donner un, il y a plusieurs sortes dedans mais je vais t'en donner. Sachant que moi au niveau nourriture je suis super difficile alors. Allez. Oh. Allez, goûte. Ah ! Ah, ça pique ! Ah, c'est quoi ? Oh. Bon, moi j'en ai mangé un, il était très bon. Le tien est peut-être plus fort alors. C'est genre une chips avec du piment dessus. Je vais goûter la même parce que ça se trouve celle que j'ai goûtée était pas très forte. Ça me pique la langue. Ah, ah oui, c'est vrai que celle-là, elle pique fort. Moi, celle que j'avais goûtée, elle piquait quasiment pas. Alors, en fait, c'est des crackers de riz au wasabi. C'est un truc japonais. J'arrive pas à ouvrir le bocal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bocal. Des oignons. Je vais vous montrer. Oh, des trucs dégueulasses. Ça je vais goûter avant, quand même, pour vérifier. Tu sais ce que c'est, toi? Oui, je sais ce que c'est. Oh, je
goûté avant. Ça, moi au moins ça pue pas le fromage et compagnie déjà. Hein. Je vais pas donner un gros morceau comme ça. Là. Je vais goûter. Un poivron. Attends. Je vais goûter. Ah oui, ça sent le poivron. Je donne à la cuillère, je vais sympa. J'ai pas envie. Allez, ouvre la bouche. Moi j'ai joué le jeu. Hein. Ah, ça pue. Ah, c'est du piment. C'est du piment. Putain. Les gros mots, s'il te plaît. Oh, pardon. Pardonne-moi une amende. Si je bois de cette fille. Ah, je pensais pas que t'allais me prendre des pommes. Tiens, une amende. Une deuxième. Faut que ça soit un minimum mort. Bon, après, il n'y a plus rien qui pique vraiment, à ma connaissance. J'avoue qu'ils sont forts, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts. Et j'ai mis un tout petit bout. Si j'avais donné comme elle m'a donné les doses, je pense que ça aurait été autre chose. Attends, j'ai craché dans ma main. T'es sale. Tiens. Je vous montre. C'est voilà. Salé ou c'est sucré? C'est sucré, on parle. Là, on passe au sucré. J'ai plus que du sucré, en fait, après. Donc après, ma langue, en fait. Dans l'ensemble, ça devrait bien se passer. Après, ça va être compliqué de trouver ce que c'est, je pense. Ça goûte pâte de fruits. C'est un fruit confit. Je sais pas. Alors, c'est de la papaye sèche. Je vous montre. Fais pas cette tête, c'est très bon. Je croyais que c'était un œil d'animal. Un œil d'animal. Non, oui, ça se trouve dans tous les supermarchés. Vous pouvez acheter des yeux de souris, tout c'est ça. C'est une groseille. Oui, c'est ça, c'est une groseille. C'est bon, les groseilles. Bien sûr. Ouais, c'était peut-être trop simple là pour le coup. J'entends la tablette. Ouais, c'était peut-être un peu simple. Allez. Ça sent, mais bon, fait à l'ouverture du paquet pour le coup, que c'est du chocolat. Chocolat noir. À 85% de cacao, s'il vous plaît. Allez, on va faire dans du plus compliqué. Et là, pour le coup, même moi, j'ai jamais goûté. Je sais même pas comment ça se mange, en fait. Je vous montre. C'est un fruit. C'est dur. Ça ressemble à ça, à l'intérieur. Pas forcément très appétissant à l'intérieur, pour le coup. Ah, ça sent bon. C'est vrai que ça sent super bon, par contre. Alors. C'est une texture assez étrange pour le coup. Je sais pas. Ça sent bon. Ah. Allez, ouvre la bouche. Ça, c'est le fruit de la passion. C'est ça. C'est ça. Mais j'avais jamais acheté vraiment de fruit de la passion. J'ai failli en acheter aussi ça. En fait. Et c'est. Alors, je goûte aussi pour le coup. Du citron. Elle est vraiment pas drôle. Ça sent carrément. Bah oui, j'ai pris des trucs qui sentent peut-être un peu trop fort. Bon, ça sera un petit goût. Allez. Mais toi, ça sent bon. Ouais, moi au moins, ça sentait bon, ça sentait pas le pâté de foie, quoi. Allez, goûte. C'est de l'orange. Non, la clémentine, très chère. Alors, avant-dernier, je vous montre. Là, pour le coup, c'est pas simple. Donc là, je vous montrerai quoi ça ressemble. Toi, t'as fait dans la diététique. Ça ressemble à ça, à l'intérieur. C'est plutôt mignon. Moi, j'ai fait dans le fromage, le pâté. Et moi, je fais dans la diététique. Voilà. Bien grand. Ah non. J'ai pas peur. C'est bon, je pense. Enfin, j'imagine. J'ai jamais goûté. Enfin, je crois pas. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'après toi? Je goûte aussi, moi. Je fais gourmand. C'est pas un fruit. Si, c'est un fruit. Si. C'est du kaki. Ah d'accord. Bah non, j'aurais pas dit. C'est bon. Et le dernier truc. Oh non. C'est un bon manqué. Je vous ai pas montré. Tu ouvres la bouche? Ah. Ça se... Ah, ça va, ça fait pas. C'est vrai? Ah, je suis déçu. En fait, c'est de la dope, ces trucs-là.
C'est une tête brûlée. Ouais, c'est ça. Mais c'est censé piquer normalement les têtes brûlées, non? Ça y est, ça commence. Ah, ça y est, ça commence. C'est dégueulasse. Oh ah, moi, j'ai rien craché, hein. j'ai tout gardé. Hein. Ah, ça fait baver. Ça fait baver. Sympa. Ah, tu veux un crachoir? Donc voilà, moi au moins ça sent bon après mon passage, tu vois. Finalement j'ai été moins violent que toi en quelque sorte. Hein. Quand t'en pleures quand même. T'as perdu ton maquillage. C'est pas grave. Bon. Bon bah je sais pas qui a gagné en fait, on n'a pas compté vraiment les points. Non, c'est vrai qu'on n'a pas compté les points. On va compter au montage. Ouais. Et puis on fera et un puis petit. Vous verrez au montage qui a gagné, ça peut être marrant quand même. Voilà, j'ai les yeux qui pleurent. C'était douloureux. Tu veux pas un bout de ciment? Non, merci, c'est bon. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller visiter la chaîne de Stéphane donc, et Alex, donc Alex et Steph à l'apéro. Tout à fait. Et puis, bah voilà, si ça vous a plu, laissez un commentaire, comme ça on recommencera à faire des petites vidéos comme ça. Nous, on a trouvé ça sympa. Ouais, c'est marrant, c'était rigolo. Voilà, donc bah, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut. Salut, salut.